On va commencer, préparez-vous. Allez! Vas-y, vas-y, je te rejoins. T'es prêt? Oui, coach. Assieds-toi. Aïe. T'es sûr qu'on a le droit? T'inquiète pas. Ça va, t'inquiète. Allez, t'es le champion. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que le dopage? Le dopage désigne la prise volontaire de substances stimulantes dans le but d'augmenter de façon artificielle ses capacités physiques, donc améliorer la performance. Plus que 30 secondes. Le PO, c'est quoi? Le PO, soit érythropoïétine, est une hormone naturellement fabriquée par le corps. Le PO était autrefois utilisé dans les hôpitaux pour patients souffrant de graves anémies avant de prendre place dans le registre des produits dopants. Aujourd'hui interdit depuis plus de 10 ans par le Comité international olympique, le PO stimule la fabrication de globules rouges permettant à l'oxygène à être transporté plus rapidement vers les organes. Comment ça marche? Le PO stimule la moelle osseuse permettant de fabriquer plus de globules rouges, soit des transporteurs d'oxygène. Lorsque l'organisme construit plus de globules rouges, le sang emmène plus d'oxygène des poumons vers les muscles. Dans notre cas, avec Mathieu, l'augmentation de globules rouges va lui permettre de retenir sa respiration plus longtemps. Conséquences, effets secondaires. Lorsque la concentration de globules rouges augmente, le sang devient plus visqueux. On peut comparer cela à de la confiture. Cet épaissement du sang ralentit la circulation, peut boucher les vaisseaux et causer des crises cardiaques. L'usage intensif peut avoir des effets nocifs. AVC, hypertension artérielle, thrombose, mort subite, infarctus myocardiaque, embolie pulmonaire. Les possibles effets à long terme. Problèmes de la fabrication et régulation des globules rouges, développement de certains types de cancers rénaux, sida transmis avec les seringues. Et le vainqueur est Mathieu Pélis. Extrait d'un article Code du sport. Tout sportif coupable de dopage est passible de 4 ans de suspension de toute compétition. Le refus d'un contrôle est passible de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 €. L'incitation au dopage est punissable de 5 années de prison et d'une amende de 75 000 €. En cas d'administration à une personne mineure, l'emprisonnement est porté à 7 ans et l'amende de 150 000 €. La détention sans accord médical est punissable de 1 an de prison en plus de 3 750 € d'amende. Comment détecter un dopage avec EPO? Autrefois, on pouvait le faire avec une prise de sang en comparant les proportions de globules rouges dans le sang. Maintenant, on sait différencier l'EPO naturel et l'EPO de synthèse, puisque leurs chaînes moléculaires ne sont pas tout à fait identiques. Et on peut mettre en évidence ces différences aussi bien dans les urines que dans le sang. Monsieur Pélis, m'expliquer? On va faire des tests sanguins et urinaires, là, sérieux. Suivez-moi. Le
bougez pas. C'est bon, maintenant on va passer au test urinaire. Monsieur Phyllis ? Oui. Venez, s'il vous plaît. J'ai reçu les résultats du test urinaire que vous avez effectué. Je suis dans le regret de vous annoncer que vous avez triché. Il est positif. Vous savez ce que ça signifie ? Vous allez être disqualifié de la compétition. Et vous qui avez gagné, c'est donc Jonas Da Silva qui a la victoire. Bravo, mademoiselle. Okay.